Bienvenue dans la chaîne de prière et de bénédiction. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous joindre à nous dans un moment de dévotion et de prière avec cette prière miraculeuse à Sainte Catherine d'Eutienne pour la guérison de toutes les maladies. Cette prière est l'occasion pour nous d'élever nos cœurs et de faire confiance à la puissante intercession de Sainte Catherine d'Eutienne. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre like, afin que nos prières atteignent tous ceux qui ont besoin d'aide. Chère et puissante Sainte Catherine de Sienne, étoile lumineuse de l'espérance et porteuse de la grâce divine. Aujourd'hui, nous nous tenons humblement devant vous, sollicitant votre divine intercession pour implorer la guérison de toutes les infirmités qui affligent l'humanité. Votre exemple de foi inébranlable et de dévotion nous inspire à prier avec un cœur sincère, confiant que vous êtes le messager fidèle entre nous et notre Seigneur. Ô Sainte Catherine, qui par ta vie consacrée à l'amour de Dieu et au service de ceux qui en ont le plus besoin, apprends-nous à regarder au-delà de nous-mêmes et à voir la souffrance de ceux qui nous entourent. Vous qui avez reçu des dons célestes, nous vous supplions de diriger votre regard compatissant vers tous ceux qui font face à la maladie et à l'affliction dans leur corps et leur âme. En ce temps de supplication, nous élevons nos prières pour tous les malades, quelle que soit la gravité de leur état, l'étendue de leur douleur ou la profondeur de leur angoisse. Embrasse, Sainte Catherine, avec ton amour maternel, ceux qui souffrent dans les lits d'hôpitaux, les maisons ou les refuges, leur apportant guérison physique et soulagement de la douleur. Vous, qui connaissez le pouvoir de la foi et de la prière, intercédez auprès de notre Seigneur pour les esprits troublés, les cœurs affligés et les âmes troublées. Il aide à dissiper l'anxiété et la douleur émotionnelle que la maladie entraîne souvent, apportant sérénité et espoir renouvelé. Nous félicitons également les médecins, les infirmières et les professionnels de la santé qui, à votre exemple, se consacrent avec dévouement et compassion aux soins des malades. Bénis-les avec sagesse et discernement dans leurs décisions, renforçant leur résilience face aux défis auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Ô Sainte Catherine, toi qui es devenue la défenseur des malades, nous prions pour que ta lumière éclaire les chemins de la science et de la médecine, afin que de nouveaux traitements et guérisons soient découverts, soulageant ceux qui souffrent encore sans espoir. Que la foi, l'espérance et l'amour que vous avez manifestés dans votre vie soient des semences qui se répandent dans le cœur de l'humanité, inspirant chacun à prendre soin les uns des autres, à être solidaire de ceux qui en ont le plus besoin et à voir dans la guérison non seulement la restauration du corps, mais aussi le renouveau de l'âme. Sainte Catherine de Sienne, intercédez pour nous auprès de Dieu et demandez la guérison de toutes les maladies afin que nous puissions vivre en paix, en bonne santé et en harmonie, louons le Seigneur pour ses bénédictions et ses miséricordes qui ne cessent jamais. Ô Sainte Catherine de Sienne, toi qui es connue pour ta profonde dévotion et pour ton courage à affronter les défis au nom de l'amour de Dieu, entends nos supplications et étends ta puissante intercession aux quatre coins du monde. Nous implorons votre aide pour tous les patients confrontés à des maladies invisibles, celles qui sont souvent négligées ou mal comprises. Que ta lumière atteigne ceux qui souffrent de maladies chroniques, de syndromes rares, de maladies débilitantes et de maladies mentales, leur offrant force et réconfort dans leur lutte quotidienne. Qu'aucun être humain ne soit oublié ou laissé de côté dans ses peines. Que votre intercession touche également ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires pour obtenir un traitement médical adéquat, ainsi que ceux qui sont confrontés à des épidémies et des pandémies qui menacent des vies et des communautés entières. Sainte Catherine, vous qui avez la capacité de calmer les tempêtes et de soulager la douleur, étendez vos soins aux infirmières et aux professionnels de la santé qui, avec dévouement et sacrifice, sont en première ligne de cette bataille contre la maladie. Bénissez-les avec patience, compassion et protection alors qu'ils mettent leur propre vie en danger pour sauver celle des autres. Souvenez-vous également des familles et des amis des malades, qui font face à l'angoisse et aux inquiétudes, cherchant la force de soutenir et de soutenir leurs proches dans leurs moments de vulnérabilité. Ô Sainte Catherine,
Ton exemple de foi et d'humilité nous inspire à affronter l'adversité avec espérance et confiance en la volonté divine. Nous vous demandons d'être notre guide à travers les incertitudes de la vie, de renforcer notre foi et de nous conduire vers la guérison spirituelle. Que vos bénédictions atteignent également les chercheurs et les scientifiques qui recherchent inlassablement des solutions et des avancées médicales pour lutter contre les maladies. Il leur verse de la sagesse, afin que leurs découvertes soient des fruits d'amour, d'éthique et de responsabilité, visant toujours le bien-être de l'humanité. Sainte Catherine de Sienne, intercède pour nous tous auprès de Dieu, afin que nous obtenions la guérison physique et spirituelle, afin que nous trouvions la paix et la santé auxquelles nous aspirons tant. Puissions-nous, en faisant l'expérience de votre bienveillance et des grâces de notre Père Céleste, être également des instruments de guérison et d'espoir dans la vie des autres. Ô Sainte Catherine de Sienne, aide des malades et consolatrice des affligés, nous te remercions pour ton intercession dans nos prières et pour ta présence aimante dans nos vies. Dans votre exemple de vie, nous apprenons la valeur de l'humilité, de la compassion et du dévouement envers les autres. Inspirés par votre dévotion à Dieu et au service de ceux qui en ont le plus besoin, nous cherchons à suivre vos traces et à faire du monde un endroit plus accueillant et plein d'espoir. Que votre bénédiction atteigne également tous ceux qui soignent les malades chez eux, qui font face aux défis quotidiens de prodiguer des soins avec amour et affection. Puissent-ils trouver de la force dans votre exemple et se sentir soutenus et protégés dans leur parcours de soins. Ô Sainte Catherine, étends tes mains sur les établissements de santé, les hôpitaux et les centres de traitement, afin qu'ils deviennent de véritables temples de guérison, où l'excellence médicale côtoie la compassion et l'humanité dans le traitement des patients. Nous prions également pour ceux qui ont perdu l'espérance face à leurs infirmités, afin qu'ils trouvent réconfort et foi dans votre intercession, sachant qu'en Dieu il y a un refuge sûr et une source inépuisable d'amour et de miséricorde. Souvenez-vous, Sainte Catherine, des personnes âgées, des orphelins, des réfugiés et de tous les marginalisés, qui sont souvent confrontés à la maladie sans un accès adéquat aux soins médicaux. Que ta présence maternelle les atteigne, leur apportant encouragement et protection dans leurs circonstances difficiles. Sainte Catherine de Sienne, que ta flamme de dévotion illumine le chemin de ceux dont la foi est ébranlée par les épreuves de la vie. Puissent-ils trouver du réconfort dans votre aide et être enveloppés de l'assurance que Dieu entend leurs prières. Que la guérison que nous implorons transcende le physique et atteigne les blessures émotionnelles et spirituelles, apportant la paix intérieure, le pardon et la réconciliation entre frères, afin que l'humanité puisse vivre en harmonie, surmontant l'adversité avec la force de l'amour. Sainte Catherine de Sienne, notre intercesseur auprès de Dieu, entend nos prières et les amène au trône du Très-Haut, afin que lui, dans son infinie sagesse, nous accorde les grâces que nous recherchons tant. Ô Sainte Catherine de Sienne, messagère de l'amour divin, reçois notre gratitude pour les bénédictions qui nous ont déjà été accordées et pour ton infatigable intercession en faveur de l'humanité. Avec humilité et confiance, nous renouvelons nos demandes, sachant que votre foi inébranlable et votre dévotion à Dieu ne sont jamais épuisées. Nous vous implorons de continuer à tendre votre main compatissante à tous les malades, en particulier ceux dont les maladies sont inconnues et qui n'ont pas de diagnostic ou de traitement adéquat. Donne-nous, Sainte Catherine, le courage d'affronter les défis de la vie avec espérance et foi, sachant que même au milieu des tribulations, Dieu marche à nos côtés, essuyant nos larmes et nous fortifiant pour surmonter tout obstacle. Nous demandons que ta lumière atteigne les cœurs endurcis et incrédules, afin qu'ils puissent expérimenter le pouvoir de la grâce divine et trouver la guérison non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Intercède auprès de Dieu pour ceux qui se trouvent sur le lit de la douleur, afin qu'ils puissent ressentir son toucher réparateur et se rétablir rapidement et pleinement. Sainte Catherine, nous prions aussi pour ceux qui ont quitté ce monde à cause d'infirmités, afin qu'ils trouvent la paix éternelle auprès de notre Seigneur, et que leurs familles et amis soient réconfortés dans leurs désirs. Accueillez dans votre manteau de protection toutes les nations, peuples et communautés,
afin qu'ils puissent s'unir solidairement pour affronter les maladies, partager les ressources et les connaissances pour promouvoir la santé et le bien-être de tous. Puissions-nous, inspirés par votre dévouement, agir avec amour et générosité, en prenant soin des malades et des nécessiteux, en leur apportant espoir et soulagement dans leurs tribulations. Sainte Catherine de Sienne, notre fidèle intercesseur, porte nos prières au cœur de Dieu, afin que ses mains aimantes guérissent et restaurent notre humanité blessée, nous remplissant de foi, d'espérance et d'amour. Puissions-nous, sous votre protection, trouver la force de surmonter les défis de la vie, confiant qu'avec Dieu à nos côtés, il n'y a pas de maladie ou de souffrance qui ne puisse être surmontée. Amen. N'oubliez pas de laisser vos demandes de prière et votre Amen dans les commentaires.